Sandrine Dumont, qui est notre consultante, qui avait été vice championne olympique à Londres avec l'équipe de France de basket et qui commentera avec David Mallard, c'est Richard Dacoury. Qui a un petit clap. Le Cameroun, trois titres olympiques. Notamment pour François Mbangou, qui avait fini sa carrière pour la France, la triple sauteuse en longueur. Et puis l'équipe de football avec un certain Samuel Eto'o, qui a été l'un des plus grands joueurs de football africain. Impressionnant. Cambodge avec le temple d'Angkor représenté. Sur les Jeux d'été, puisque Marie-Josée portait le drapeau français à Atlanta aux Jeux Olympiques de 1996, 4 ans avant à Marie-Jo, même question, est-ce qu'on est fébrile? Alors, il y a une chose qui est importante. Ravie de passer ce moment avec vous. Je trouve que c'est extraordinaire qu'on puisse se retrouver là après les mois qu'on a passés où c'était vraiment très dur. Je pense que l'équipe de France, elle a besoin de nous, elle a besoin de vous. Donc, on compte sur vous pour les soutenir parce que, écoutez, les stades sont vides, donc il va falloir vous faire entendre autrement. Alors, pour moi, porter le drapeau, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai été choisie par le CNO. Aujourd'hui, ce sont les athlètes qui votent pour les athlètes. En fait, pour moi, aujourd'hui, de voir que la délégation, elle est représentée par un homme et une femme, je trouve ça extraordinaire. Il y a deux porte-drapeaux et je pense qu'on a besoin de ce côté où l'homme et la femme sont égales. Donc je trouve que les choses évoluent vraiment dans le sens où vraiment ça compte, voilà. Et vraiment... pour moi, c'était un moment extraordinaire de porter ce drapeau. C'était, c'est vraiment, je me souviens avec Laura, lorsqu'elle est revenue avec sa première médaille d'or au village, et elle m'a dit, bon, maintenant, t'en as une, il faut que tu fasses encore quelque chose parce qu'il faut une deuxième médaille. Et donc, je suis partie sur le 200. Ça a donné ce fabuleux doublé. Et puis, derrière, l'équipe, elle a été extraordinaire parce que sur ces Jeux, en 96, on est revenu avec 15 médailles d'or. C'est le record. C'est le record, en fait, de médailles d'or. Et vraiment, c'est ce qu'on souhaite à notre équipe, vraiment, cette année. On sait que ça va être difficile, hein, en fait, dans le sport, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on a le droit de rêver. Donc, bonne chance à tous. Voilà.